Ok, là nous sommes dans l'interface Atlantis. J'ai importé juste un projet. Bon, c'est le projet, c'est pas le projet qui est important, mais c'est la présentation de l'interface et l'explication de Atlantis Batch et Atlantis Media Convert. Alors, là on a l'interface Atlantis. Ici, on a le shader. À quoi sert le shader? Alors, le shader ici sert à modifier les textures, à modifier ou appliquer les textures sur les différents matériaux. Là, par exemple, lorsque je suis dans shader, je peux cliquer sur ce panneau et là directement j'ai la texture qui est présentement sur sur ce mur. Si je veux le modifier, je n'ai qu'à cliquer là, et lorsque je bouge le curseur, remarquez que le mur change de texture là sur l'écran. Ça c'est le shader. Ça permet de modifier la texture. Ok. Ensuite, on a ce qu'on appelle les lumières. Ceci permet d'augmenter des points lumineux ou de l'éclairage un peu partout dans la scène. Donc, si je veux augmenter une lumière, je n'ai qu'à cliquer là sur cette ampoule ici. Ça va directement me créer un point lumineux qui est là. Je peux déplacer et le positionner où je veux pour éclairer la scène. Ensuite, je vais pouvoir gérer son angle. Vous voyez, quand je fais ça, l'angle d'éclairage diminue. Augmente ou ça diminue quand je vais vers l'arrière. Et on a les boutons là qui permettent de gérer l'angle. Et ça permet de gérer l'intensité de la lumière. Allez, ouais, ça devient plus clair. Ça devient plus clair. Donc ça, c'est très utile pour les rendus intérieurs. Pour suffisamment éclairer les scènes. Ou pour les rendus de nuit. On peut augmenter. On va voir ça quand on serait en train de travailler réellement sur un projet. Là, on a juste à présenter l'interface. Ensuite, on a Heliodome. Ok. Celui-ci permet maintenant de gérer à la fois le temps et la ville où on se trouve, c'est-à-dire l'espace. Vous voyez ici, au début, là, on peut faire notre projet soit dans le monde ou soit une position manuelle. Ça, c'est la position. Positionner position selon le monde, quoi. Selon le groupe, ça, c'est la position manuelle. Ensuite, là devant, on a le réglage de date. En fait, la date tuée. On peut régler là, on peut régler la date. Et forcément, c'est influencé sur le temps. Là en bas, on peut régler le. Si on refait un rendu par exemple à 6h ou à 7h, ouais, on règle le. Là, bien sûr, ça va s'ombrer, c'est peut-être la nuit 23h. Et ici, là, c'est la ville. Donc chez Heliodome nous permet de gérer tout. Là c'est ça nous permet de gérer le soleil et les rayons solaires. Là c'est le catalogue qui permet de gérer les nuages. On va en activer les nuages par exemple là. Et ensuite si on clique sur le nuage là avec le petit domino là, on peut choisir le type de nuage qu'on veut. Voyez, chaque fois que je clique sur le domino, ça va arriver. Ok, ensuite on a objet. Alors le bouton objet ici permet de modifier ou bien de donner du mouvement à tout ce qui est sur l'interface, tout ce qui est sur l'interface comme objet. Donc si ce que je dans l'interface là, je mets par exemple un objet, donc même les hommes sont considérés comme des objets. Si je positionne par exemple un objet, pour pouvoir agir sur cet objet, je dois me positionner sur ce bouton, sur objet. Voilà, là, quand je me positionne exactement, c'est l'aperçu de la personne qui est en sélection. Ensuite, donc, nous pouvons augmenter la hauteur de la personne. Si vous regardez bien sur l'aperçu, lorsqu'on clique, ça augmente sa hauteur. Nous pouvons aussi diminuer la hauteur de notre personnage. Donc, sur tous les objets, pour pouvoir manipuler les objets, nous avons, nous positionner à chaque fois sur l'onglet objet. Ensuite, maintenant, nous avons perspective. Vous voyez? Alors, lorsque nous avons fait tous ces réglages, tous les paramétrages, nous venons sur perspective pour voir sortir les différents rendus. C'est dans ce positionnement sur perspective là qu'on peut
sortir nos rangées, lorsque nous posons une perspective, je peux d'abord paramétrer le sol parce que vous voyez là le fond, il y a un fond noir derrière là. Donc on peut activer le sol et ensuite on affecte un matériau sur le sol. Donc ici on va parler en détail, on va aller juste en grosso modo, c'est après que on va mieux expliquer le logiciel. Donc en fait, perspective ici nous permet de sortir des rangées. Lorsque nous sommes en perspective, on a directement un aperçu là. Ici, on clique là sur la petite caméra là, on aurait directement le rendu vidéo, le rendu photo pardon. Et ensuite, on a un petit triangle là qui permet de déplier. C'est une bande dépliable. Ouais, on a perspective, on a vu parallèle, on a panorama, on a VRD, on a animation. Donc c'est ici selon ce que vous voulez, vous pouvez consommer. Alors pour ceux qui vont rester scotchés, pour ceux qui vont s'abonner à ma chaîne, ils auront la chance et la grâce de voir comment tout ceci fonctionne bien détaillé dans des vidéos futures. Donc je vous conseille de vous abonner et de me suivre. Ok, alors ça c'était la présentation de l'interface. Bon, ici en bas on a les catalogues de matériaux. Là vous voyez le catalogue de matériaux, là sur les enduits. Et là on a le naturel quoi, on a l'eau, on a le sol, les différents sols. Là sur les accessoires de l'intérieur, les chaises, les armoires, les bidets, là. Non, là c'est où? Là c'est la bibliothèque en fait de l'Atlantis. Là. Et c'est pas une bibliothèque qui est complète. Ouais, et là on a quelques personnages, par exemple là on a une voiture, là on a presque pas de bâtiment. Donc il est donc nécessaire de compléter cette bibliothèque. D'où le deuxième point de notre tutoriel Atlantis Media Convert. Alors on va tout de suite passer à ce deuxième point qui est le point, je vais dire important, parce que si vous n'avez pas une bibliothèque assez chargée, vous ne pouvez pas faire de rendu d'animation réaliste avec les accessoires que vous voulez. Vous allez parfois chercher des accessoires que vous n'allez pas trouver dans votre bibliothèque. Alors ce Media Convert nous permet de charger notre bibliothèque et c'est très important. Alors comment ça se passe? On va juste venir au bureau, on va chercher Atlantis Media Convert que nous avons créé un aperçu au bureau. Il est là, on a Atlantis Media Convert. On va juste l'ouvrir. Ok, on va ouvrir. Ok, voilà, ça va la présentation de Atlantis Media Convert. Alors lorsqu'on l'ouvre, vous voyez, on a nos différents bibliothèques, en fait les emplacements de la bibliothèque. Là, si vous voulez augmenter des outils de texture ou des matériaux, c'est là, des carreaux, des briques, des peintures, etc. Pour vous positionner juste et vous augmenter. Alors, comment on augmente? Pour le faire, nous allons d'abord importer. Donc, il faut d'abord avoir au préalable une bibliothèque externe. Donc, dans mon dossier, il faut avoir une bibliothèque externe en fait. Avoir une bibliothèque externe à votre disposition. Logiciel. Ok. Biblo. Ok. Bon, là j'ai la bibliothèque Atlantis. Ouais. Donc il faut avoir cette bibliothèque ici à votre disposition au préalable. Alors lorsque vous avez cette bibliothèque, donc pour ceux qui ne l'ont pas et qui veulent l'avoir, laissez-moi des commentaires, écrivez-moi ou essayez de me chercher, je vais vous envoyer, je vais vous transmettre cette bibliothèque gratuitement. Ok, alors lorsque vous avez cette bibliothèque, vous allez venir là sur le petit plus, vous allez cliquer, ensuite vous aurez un aperçu de votre PC qui va vous permettre d'aller chercher directement ce dossier là dans mon PC. Alors pour moi c'était dans disque A, je vais dans logiciel, ensuite je cherche biblio. Dans biblio maintenant j'ai Atlantis. Alors ce que je vais faire, je vais importer tout le dossier biblio. Vous voyez, bon moi je c'est mieux que j'importe un, mais vous pouvez importer tout le dossier ici. Je vais prendre biblio Atlantis K. Ok, je vais prendre ceci. Je l'importe. Lorsque vous l'importez, vous l'avez là.
voyez, vous pouvez juste déplier et là vous avez, vous voyez, les personnages. Donc comme on n'avait pas assez de personnages, comment on fait pour compléter? On vient là, dans, on va chercher là où il y a les personnages. Ouais, ok. Là par exemple, on peut ça, ça c'est les animaux, les affaires, les poissons. Donc moi je vais mettre les personnages là. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais juste enfoncer le clic droit de ma souris, le clic gauche de ma souris en fait, et je vais glisser l'autre côté à chaque fois. Vous voyez? Lorsque je fais ma bibliothèque, je glisse là et ça augmente ma bibliothèque. Ok, lorsque j'ai fait toutes ces transactions, je quitte de la gauche vers la droite, je vais tout simplement appuyer là sur convertir. Et ensuite, ça va convertir ces éléments-là en bibliothèque Atlantis. Donc, si je reviens directement là, dans Atlantis, et que je repars là où les personnages, là, vous voyez, c'est déjà là. Ils sont déjà là. Ceux dont les personnages dont je viens de convertir en bibliothèque Atlantis. Je peux là directement les exploiter. Un peu ça, je vais mettre même une personne en tapis. Vous voyez, le personnage est là. Ok, c'est le même principe pour tout autre matériau, par exemple les arbres. Je vais faire encore un petit. Pour les arbres, je vais venir en arbre et je vais juste glisser comme ça. Ok, je vais m'arrêter là et en plus, ensuite je clique sur convertir. Très simple. Et ensuite, si je vais dans Atlantis, je pars dans arbre pour aller voir les arbres que je vais convertir. Ok, ça c'était Atlantis Media Convert, très, très important pour Atlantis. Ensuite, nous avons le troisième profil Atlantis Badge. Ok. Alors, celui-ci est aussi très important et très primordial. Pourquoi? Parce que, avec Atlantis, si on lance un rendu directement, on ne peut que faire un seul rendu à la fois. Vous voyez? On ne peut que faire un seul rendu à la fois. Donc, si je clique là, par exemple, et je clique sur rendu, je mets OK. Le rendu va débuter et ça va m'empêcher de travailler directement, de continuer mon projet. En fait, je serai obligé d'attendre que le rendu finisse avant de continuer mon projet. Or, avec Atlantis Media, avec Atlantis Badge, avec Atlantis Badge, problème. Alors, avec Atlantis Badge, lorsque nous avons des rendus à réaliser, lorsque nous travaillons sur Atlantis Studio, nous finissons de travailler. À chaque fois que nous voulons faire un rendu, nous ne le faisons pas directement. Nous l'envoyons dans Atlantis Badge en faisant un rendu différé. Donc, lorsque nous enregistrons notre prise et que nous voulons faire un rendu, nous le faisons un rendu différé. Et lorsque nous l'avons fait en rendu différé, lorsqu'on va ouvrir Atlantis Badge, on va pouvoir lancer le rendu. On va pouvoir lancer le rendu là. Et à chaque fois, nous pouvons me proposer avec notre ordinateur. Le privilège qu'on a avec Atlantis Badge, c'est que au même moment qu'Atlantis Badge est en train de faire un rendu, exécuter un rendu, nous pouvons continuer à manipuler le projet dans Atlantis lui-même. Donc c'est un peu ça la particularité d'Atlantis Badge, il est très important. Et ça nous permet de gagner en temps. Et sa vitesse de rendu est plus élevée que Atlantis lui-même. Ok, c'était tout pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutoriels sur les rendus, les traitements des images et les rendus photoréalistes et les animations vidéo sur Atlantis. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à me laisser des commentaires pour que l'on puisse échanger et partager ensemble. A plus et à la prochaine pour un nouveau tutoriel.